On reprend la VOD YouTube. Bonsoir, bonjour. Et bienvenue sur l'épisode d'Octopath Traveler, l'épisode numéro 60 milliards. Où nous allons continuer l'aventure. On va faire le chapitre de Oshet à Crevastri. Oh oui, Oshet, est-ce que t'es prête, Oshet? Est-ce que t'es prête? C'est bien. Mais avant ça, pillage, mais faut changer de perso. Je change de perso. Est-ce qu'on change totalement l'équipe ou pas? Par exemple, on va prendre Oshet. Agnaroua, on pourrait changer, oui, oui. Donc, ce qui veut dire que Castille à poil, Particio à poil, à poil. Je vais prendre Troné. Alors, en fait, je me demande c'est quoi la meilleure équipe de gang. Troné pour le vol, Oswald pour l'extorsion. De nuit, scruter le commerce de Particio. Ikari pour le défi. Encore Ikari, c'est juste pour le défi, quoi. Peut-être Temenos, ouais, pour interroger de nuit. J'aime bien l'interrogation de nuit. Je trouve que c'est super facile à faire. Et qu'est-ce que je vais lui donner? Ah, protège de la mort instantanée. Tiens. Ah, mais c'est Ikari qui a ça, c'est ça? Oh. Ah, non, pas du tout. Ouais, je vais mettre ça. Où est mon truc? Couleur de dragon, le dragon. Voilà, on va remettre les deux là. Ok. Garou de Oswald. Oswald, Agnia, Temenos. Bah Agnia, ouais, je sais pas, moi ça dépend du niveau. Hein. C'est, je pense, encore trop tôt pour Agnia, je trouve. Chapitre 2 de Oshet. T'as sur Atamumba, attention. Moi je suis ouvert plus ce groupe, moi. Troné pour voler, Particio pour acheter. Et c'est pour l'argent, voilà quoi. Temenos pour interroger de nuit. Oswald qui stalk la nuit et qui scoute de jour. Tech. Et surtout, on sauvegarde. Voilà. C'est parti. Bonjour. Non. Tu sers à rien, dégage. Qu'est-ce que tu veux, toi? Est-ce que je peux te scruter? Oui. Commerçant à la tête d'une boutique de biens d'occasion avec une longue histoire. Ses méthodes de travail n'ont jamais changé et il ne laisse pas influencer par le marché ou les modes. Sa devise est la suivante. Quand tout va bien, il faut se préparer au pire. Quand tout va mal, on est dans le cul. Ok. Ouais, voilà, alors là... Oh, toi, je suis dans une petite surprise. Non, c'est pas juste, je refuse. Oh, tu n'as pas le choix, donne-moi ton stuff. Nul. Eh, assortiment de pierres, c'est pas mal, en fait. Ça fait feu, glace et foudre. Ça va être marrant. Mais bon. Rankai. Oh, il est pas mort. Par contre, j'ai fait une connerie. J'ai fait une connerie. Plutôt faire ça. Bien joué. Bon allez, les quêtes annexes, on voit après. Bien joué, Troné. Vas-y, continue comme ça. Continue comme ça. Ouh.
Drôle. Un marchand qui se spécialise dans la vente de textiles et de tapis. Il n'a peut-être pas l'air d'enthousiaste, mais il a l'œil pour dégoter la bonne marchandise. Ce qu'il n'a pas, c'est du charisme et de la concentration. Il tient sur l'expression sinistre de ses parents. Et qui gratte. Allez, Troné, je fais confiance. Oh là 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 là. C'est la soirée pour Troné, c'est la soirée. C'est sa soirée. Oulala. Moi, est-ce que t'es là de nuit ou pas? T'es qui toi? Qu'est-ce que c'est? Je peux employer la force. Ah non, toi tu n'auras rien de ma part. Ah bon? You insolent fool. Nul. Sérieux? Bon alors. Bon, c'est la phase chiante du jeu. La séance farming, mais bon. C'est là où on a du bon stuff et de l'argent. L'argent, je maltraite les gens. Oui, 8 carrément. On adore maltraiter les gens ici. Un marchand qui n'a pas en ville que quelques heures la nuit. Personne n'en est sûr, mais on dit qu'il entre et sort de la forêt obscure pour vendre des marchandises spéciales. Certains disent que le rencontrer porterait chance, d'autres que c'est une malédiction. Des dieux! D'accord. Est-ce que la ville pourra connaître un renouveau? Ça va dépendre des commerçants. Côté sus, toi. Lui, je l'ai pas vu. Moi, je vais pour le louper. Ah. Un marchand à la retraite qui parcourt la ville tous les jours en s'exclamant bruyamment à quel point les choses étaient meilleures à son époque. Il pense que ses paroles sont inspirantes, mais en réalité tout le monde le déteste. Ok. Ah mais c'est ouais, c'est la ville marchande ici en fait, il y a que des marchands. Il y a que ça. Oh toi je t'ai croisé dehors toi, oui oui. Certainement pas, reviens après avoir appris à vivre. Comment ça? Oh, qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que tu veux dire par là toi? Bravo. Bon c'est bon, ça suffit. Ah ben voilà, parfait. Donne-moi ça. Quelle indignité, monsieur Pujadas. Quelle indignité. Il est là, il est là. J'ai changé. Ah oui, pas mal, pas mal. Beken. Alors. Ah, la musique qui continue. La musique a bugué. Personne là? Ah, c'est fermé ici? Ok. Hop, 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 hop. Je suis vieux! Oh, tiens donc. Un vieil vivant a pisseré ayant fait fortune en plaçant son argent. Sa famille a toujours connu une existence
esselé. Je sais pas. Mais c'est marié à une femme plus jeune, ayant déjà une fille d'une précédente union. Il a un peu honte d'être beaucoup plus vieux qu'elle. Oh. Mais je suis bonne. Quoi? Alors. Oh! Un trôné là, et je sais pas ce qu'elle a, mais elle est au taquet là. Ça change de certains streams. Hein. Bonjour. Collier de stimulation. Oh, PTMAC plus 80. Ah ouais. Ah oui, 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 oui. Ça sent la marchandise là. Oh, Sari éblouissant, c'est pas mal ça. Ça a l'air d'être pas mal ça comme, comme tenue. Pas du tout, c'est pas si dingue que ça en fait. Ça donne beaucoup de défense élémentaire, mais c'est tout quoi. Évidemment, y'a personne. L'argent. Je tente. Non, restez où vous êtes! Nani. Merci. Une danseuse débutante qui vient de commencer à prendre des corps. T'as la musique qui continue toujours. Après avoir vu Hermès sur scène, une des meilleures danseuses du monde, elle s'est jurée de devenir comme elle lorsqu'elle serait grande. En se renseignant, elle a découvert que la professeure d'Hermès vivait dans cette ville. Elle a longuement supplié de la prendre comme élève. Ce que cette dernière a fini par accepter. Nani. 19 000. Oh! J'achète. Merci, mon bon monsieur. Ah, y'a un autre truc au-dessus, là. Ah. Oh, toi, non, toi, je vais dépouiller. Oh. Soy... La musique, par contre. Résidence d'Elrond à Puisseré. C'est quoi, c'est le manoir de la Croft C'est le manoir des Croft ou quoi là? Ah oui! Ah oui! Oh la petite baraque là! Cap de vivacité. C'est pas mal. Bon, attends, je vais la mettre sur Oswald, je pense. Ah, mais il a déjà un sari lui! Oh. Ouais, il perd un. Ouais, ouais. Il perd un peu de défense élémentaire de vitesse, mais bon, la défense physique remonte. Ça me va. Ah oui! Bonjour, c'est mouillé. Ça, ça sent le chapitre avec Trôné, je vois pourquoi. Mais attends, mais c'est pas la robe de la mer, ça? Le truc, là, je sais pas. Moi, je dis... Il y a Quenelle sous roche. Mmh. C'est une porte ça. On peut pas y aller là. Oh. Ok, bon bah le pillage du village a été plus rapide que prévu. Oh, merde, je vais me TP, sérieux. Attendez, après il reste la nuit, il reste les quêtes annexes. Attends, c'est vrai, Denis, j'ai pas regardé dans le manoir. Je pense qu'il y a personne, hein. Je pense que ça sent la... La quête d'histoire, ça. Je partirais plus sur une petite trônée, là. Ouais. Il y a personne. Je suis vieux. Bonjour. Donne-moi ça.
Un marchand ne donne jamais rien gratuitement. Jamais. Eh bah écoute, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Oh putain, je crois que Temino c'est chiant. Ok, c'est chiant. Ouais, on va pas perdre de temps. Alors, où est-ce que c'est? Les ténèbres! Je suis de l'Inquisition, motherfucker! Oh là, il y a du monde là! Oh là là! Bonjour! Ok, os. Ah, je suis pas d'accord! Oh, toi. Ça, c'est une bonne nouvelle, ça. 600 points de vie! Et bah, c'est dommage. On sait jamais. Ça aurait été plus rapide. Quoique. Les dieux. Un jeune verrier, il est en formation afin de prendre son indépendance et d'ouvrir sa propre entreprise. Il est fiancé à une jeune marchande pleine d'entrain qui ne voit qu'en secret, loin des yeux indiscrets du reste des citoyens. Ils s'aiment et se soutiennent. Je viens de me rappeler d'un truc. C'est quelle zone là, ici, là? J'avais pas une quête à faire ici, j'en souviens plus. Ah oui, c'est le KSMDR. Ah, c'est de bois bruine, ok. Rubis de bois bruine. Mais je sais pas où c'est bois bruine. Bois bruine. Putain, les objets à ramasser là. L'argent. Nom. C'est quoi les noix? Augmente traînement les pétés maximum. Ah! Ah oui! Ah oui, mais toutes les noix c'est pour monter les stats! C'est vrai, je connais lui qui avait ça, putain! Oh! Oh, il y en a tellement! Il y a trop de noix! Oh, c'est trop facile ça, c'est trop facile! À la fin, peut-être, à la fin, je sais pas! Bonjour! Je peux employer la force, mon capitaine! Pardon, espèce de misérable, je vais te jeter au fer. Oh, vas-y. Je suis expert en prison, alors t'inquiète pas. Montre-moi. Ne me remets pas en tôle. Tu travailles pour Harvey, c'est ça? Espèce de sac à merde. Oh, 1000. À la fin, pour un Chica-chan Oswald, j'avoue, ouais, on met tout sur Oswald. On met toutes les noix sur Oswald. Wow. Non, j'aime pas faire ça. Nul. Oh, c'est quoi ça? Oh!
Une dague pas dégueu. Donne-moi. Donne-moi ça. Tu t'imagines pour me voler? Rêve toujours, hein. Mec. Ah. Ah. Ah et d'accord, on est ce genre de casse-couille. Merci, on fait une faiblesse quoi. Mudada. Gaigwen, Yorin Maru! Éradiqué! En poussière! En cendre! Le soldat en mode capitaine! En train de se faire déglinguer à côté! Oula, 6! Ça va aller. Normalement, en 3 tours, c'est réglé. Un, deux, joyeux Noël! Dégage! Truc astuce de voleur. Ah, bah, c'est un peu con ça de faire ça à la fin. Bordel de merde! Un soldat chargé des patrouilles de nuit. Il est devenu garde avec l'intention d'afficher d'être promu capitaine. En réalité, les deux mèches avec les trafiquants d'armes et se chargent de provoquer des distractions pour que leur marché ne soit pas découvert. Ouah, le Judas! Les autres soldats ont été engagés par Monsieur Alronde pour maintenir l'ordre et la paix. Ah, donc c'est pas... d'accord. Donc c'est Monsieur. C'est pas Madame. Bah, je pense qu'on a fait le tour, hein. C'est Samumba, oui, non, non, bah écoute. Ah, ah, oh, 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 toi, mon toi. Ouh là là. La voyante. Cauchemar, hein. Diminue fortement les dégâts subis d'ombre. Hein. Puissance 7. Pendule funeste. Ça sent... ça sent la connerie, ton histoire, là. Oh, quoi? Nani? Tu peux interroger, toi? Oh là, mon Dieu. Dis-moi que t'es faible au bâton. Oh. À la lumière, peut-être? Ah! Le dessert. いいでしょう。聖なる神よ。いいでしょう。聖なる神よ。さて、アルファに学びましょう。 Ouais, je pensais que j'avais économisé des PT, mais dans les histoires, pas du tout. J'ai oublié que luminescence ça marchait pas avec le Bankai là. Un marchand ambulant qui voyage à la recherche de tissus. Il est venu voir Puisseret après avoir entendu dire que c'était la ville la plus prospère du continent ouest. Ah bon? Il est également créateur de mode et utilise tous les tissus qu'il trouve lors de ses voyages pour ses créations. Original. Non. Manteau faucon. C'est nul. Ce jeu est nul. Attends, y'a quoi du coup ici? Chemin vers le jardin nourricier. Donjon niveau 30. Ah, effectivement, y'a tout un délire là. Peut-être c'est la quête de Troné, ça du coup, je sais pas. Non, partition. Non, une autre fois. D'abord, Hochette. Et d'ailleurs, on va y aller tout de suite, je pense. Il me semble avoir fait le tour. Bah voilà. Je pense qu'on a fait le tour, hein. Attendez une seconde. Ah non, mais attendez, c'est vrai, les quêtes. Les quêtes. Oh, toi, gamine. Fillette triste. Une petite fille qui semble bien préoccupée toute seule dans un recoin de la ville. Son père est mort pour ses péchés alors qu'elle venait de naître. Elle vit avec un nouveau père depuis le remariage de sa mère avec un homme bien plus âgé.
Ah mais c'est la fille du vieux. Oh ça sent le bail chelou. Non non. Tu sais, ces derniers temps, mon papa et ma maman, ils se disputent tout le temps. Je sais pas pourquoi, tu penses que c'est peut-être parce que mon papa n'est pas mon vrai papa. Et moi, je les aime tous les deux très fort, mes deux papas. Tu crois que si on discute tous les trois, ils vont donc bien faire la paix? Ah mais d'accord. Il faut que, alors, il faut que je ramène le vieux et... Ah, ça m'emmerde. Ah mais j'ai recruté l'autre. Pas du tout. Guitariste, ah oui. Ouais, attends. J'ai pas envie de virer suite partition en fait. Hochette peut-être, ou Agnia. Manger. Attends, on est bien d'accord que c'est le vieux là. Avec un homme bien plus âgé. Bon, le père, je pense qu'on l'a, c'est qu'il est sûr. La mère, on l'a pas trouvé. Enfin, la mère, on a dû la croiser, mais on a dû skip. Scruter. Non, pas provoquer. Ah, oui, tiens, une vente séchée, là. Allez. tout doux, le vieux. Oh, partir avec vous, mais pour aller où? En retroalette, je peux te le dire, mais... Alors, je cherche une maman. Je pense que là, je vais rien trouver, on sait jamais. Okay. Je cherche la fiancée du vieux, s'il vous plaît. Toi, là. Voilà. Toi. Ah non mais c'est la même d'ailleurs. Attends une seconde. Toi là. Ah. Voilà, bah tiens. Une femme bien devine bien trop tôt qui s'est remariée avec un homme très riche mais bien plus âgé qu'elle. Tout le monde la voit comme une croqueuse de diamants alors qu'elle compte donner au bonheur tout l'argent qui ne sert pas à l'éducation de sa fille. Madame, vous venez avec moi. Tu veux que je suive, mais pourquoi? Oh, réunion de famille. Oui, voilà, oui. Attendez, juste un petit instant. Non. Youpi, maman, non, oui, attendez. Hop, excusez-moi. Je mouche. Je suis tellement contente, vous vous avez dit pardon alors? De quoi tu parles? Oh, mais ma chérie, on ne se disputait pas, tu sais. Je tabassais juste ta mère. Je suis vieux. Même pas moi, ça fait des jours que je vous ai même plus vu sourire. Et moi, j'aime pas ça, ça m'inquiète. Oh, dire qu'on pensait pouvoir te le cacher, mais tu es bien trop maligne. Oh, je suis vieux. Mon dos. Pardon, nous ne voulons pas te causer du chagrin, ma puce. Alors, promettez-moi de ne plus vous battre. Est-ce que c'est d'accord? Elle a raison, tu sais, nous devons d'arrêter d'être aussi obstinés l'un que l'autre. Je demande le divan, je suis d'accord, nous devons rester soudés. Si on ne peut pas se fier à sa famille, on ne peut se fier à personne. Youpi, maman, papa, je vous aime très fort. Pourquoi je suis une voix aiguë sur un modificateur qui me donne une voix de chipmunk? C'est encore horrible. Ça va être plus horrible que prévu, je suis désolé. Une amulette de prévenance. Qu'est-ce que c'est que ça? Récupère plus de PV ou de PT lors des soins. Oh. Ok. Moqué. Okay.
Ah, quelle puanteur, j'ai marché sur un fruit de pucerie. Les fleurs de pucerie sont magnifiques, mais leurs fruits sont complètement inutiles. On ne peut même pas les manger. Et si on les écrase, ils dégagent une odeur pestilentielle. On a des tonnes et des tonnes par ici, c'est seulement pour leur trouver un usage pratique. Et bah apparemment, j'ai drop ça, je sais pas où, donc merci à tous. L'argent, j'ai dû les stocker à quelqu'un. Comment les fruits de pucerie produiraient une teinture de haute qualité? Il faudrait les faire mijoter une nuit entière avec des fleurs sauvages de bois sauvallon, et leur odeur nauséabonde disparaîtrait alors. Et la couleur de cette détoxion serait encore plus magnifique que celle des fleurs de plus, celle des fleurs en plus de repousser les insectes, c'est vrai. Je vois, donc c'est pour ça qu'il a récolté autrefois à bois sauvallon. Voilà. Si on avait à relancer la production de cette teinture, ça ne pourrait être que bénéfique pour la ville et surtout pour l'argent. L'argent, bien, je pense que ça vaudra la peine d'essayer de gagner de l'argent. Je vous remercie pour votre aide, ces informations me seront bien utiles. L'argent. Vêtementin, foulard bestial. Oh non, non, foulard bestial, on l'a déjà, je crois, c'est le truc de... Des points de vie, c'est ça. Et le truc, vêtementin. A diminué les dégâts subis de lumière et d'ombre. C'est pas mal. J'aime bien. Je prends. Voilà. 40% des bénéfices. J'ai pas parti sur avec moi, désolé, Master Shukumo. J'ai pas parti sur avec moi. On est tout dépouillé ici, ouais. Alors, on va préparer l'équipe et c'est parti pour l'histoire de Hochette. No. Chapitre 2.2. Parmi les trois chapitres de Hochette. Alors. Agnia. Bah, je vais prendre Agnia à la place de Temenos. Sauce. Ah, par contre, c'est une quête niveau 29. Niveau 29, pardon, alors. Alors que mes gaz ne sont que niveau 26. Ça va le faire. Chasseur, voleur. Bah, ouais, puis ça me va. Ah, quoique, non, je vais le mettre Théodie. Ou peut-être. Peut-être prêtre. Là, j'ai pas trop de heal. Ouais. Je te mets heal, Agnia. Je te mets heal. Alors attendez, là il faut réfléchir, ça m'arrive des fois, oui. Ah non, c'est dur de s'en séparer. Excuse-moi, je réfléchis. Ah, j'hésite à lui donner ça, quoi. Ah non, mais j'en ai qu'un seul, je crois, un truc de... J'en ai qu'un seul, ouais, avec lui en sortilège, donc ça va pas aller. Où est ce truc? Je l'ai perdu, MDR, où est-ce qu'il est? Ah non, mais... Ah, what? Merde, attendez, il y a un problème.
Ikari. Oui, ça, j'ai... Ah merde, j'ai pas déstuffé Ikari, quel con. Petit Arba. Bon, si on négocie surtout dans les oreilles sombres. En moyen de niveau, oui, je suis bon, oui, bien sûr, bien sûr. C'est juste que peut-être Troné, Ochette et Agna vont peut-être prendre un peu cher. Après, Ochette et Troné ont pas beaucoup de points de vie, hein, c'est ouf. Hein. C'est quand même assez ouf. Hein. Après, Ochette, je pourrais la passer à Apothicaire. Et ouais, non. Non, 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 parce qu'elle va perdre beaucoup, ouais. Non, au moins, Troné Ochette, ils ont beaucoup d'armes différentes, c'est cool. Ok, je pense qu'on est pas mal. C'est des filles solides, ça va passer. C'est vrai, on a un groupe de filles là. Quasiment. Juste Oswald. L'Ozone, l'intrus. Terrible. Par contre, René Ochette, surtout, ils ont pas de pété, quoi. C'est ouf. Ils ont zéro pété, mais après, bon... Je pense en termes de prunes, ouais, voilà, on en a quelques-uns. Surtout qu'on a 19 paniers, c'est un éther en masse. Ok, bah rock'n'roll. Ochette à la 16 animaux, ouais, mais bon. Il y a le piège, il y a les compétences de voleur aussi, ils sont pas dégueux. Plein de compétences, hein. Ouais, je peux pas forcément tout apprendre ici. Bah tiens, Gna. Grâce des rotandes, ah oui. Grâce des rotandes, littéralement, c'est le métronome dans Pokémon. Hein. C'est littéralement ça. Hein. C'est littéralement ça. Ok, ouais. Ah oui, attendez, faut que je lui donne un peu de trucs quand même. Genre luminescence. Et je pense que je vais donner la prière de la flamme. C'est peut-être intéressant d'avoir ça avec Agnia. Représailles. Non, ça c'est trop bien. L'avant-garde sur tout le monde. Oh, il y a tellement de trucs trop bien là. Intelligence, non, ça c'est trop important. Dans mon personnage, esquiver les attaques ennemies plus facilement. Ouais. Je vais mettre le soin accru sur ça. Ah oui, pardon, c'est Master Chocobo, j'ai pas vu, ouais. Bah, c'est golo comme compétence, tu t'emploies combien de boss avec l'exaltation. Tu parles de quoi, attends. Le charme de Siltix, machin truc. Pendant 3 tours, les aptitudes à cible unique d'un allié touchent tous les ennemis. Ah. Ok, n'affecte pas les aptitudes qui ne touchent que le personnage ou les aptitudes divines. Et bah ça c'est bien ça. Bah voilà, genre avec ça, avec collecter, avec le marchand. Merci à tous. Full pognon. Vol en masse. Oh Agnia, ça me plaît ça. Enfin bref. Écoutez une histoire. Ochette. Ochette a parti à travers le monde rassembler 3 créatures légendaires. Je rappelle, hein. Oh, Lugia et... non, bien, c'est pas ça là. Pour protéger l'île de la catastrophe de la nuit de la lune écarlate. Il se rend compte que l'une d'entre elles se trouve à Crevastri.